C'est à WRX, là on est au festival de Dour. Je suis avec D6 que je vous présente plus. D6, tout d'abord, bienvenue en Belgique. Est-ce que ça t'arrive souvent de venir chez nous? Oui, j'aime beaucoup la Belgique, comme on le sait. Déjà, il faut savoir que j'ai de la famille belge, c'est-à-dire que du côté de ma mère, ses parents et tout ça, ils viennent de Belgique, mais ils sont flamands, je crois. Donc voilà. Ça t'arrive souvent de venir chez nous, quoi? Ouais, bah oui, surtout que je travaille avec pas mal de producteurs belges. Qui entre autres? Bah tout ce qui est Street Fabulous depuis longtemps. Ah, ouais. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Azaya aussi, qui est très très fort. Et puis voilà, il y a les Bionix aussi. Donc voilà. Ah ça taffe. Exactement. Qu'est-ce que tu penses du public de Dour? C'est un bon public. En tout cas, je sais que c'est un public assez difficile. Enfin, j'ai déjà entendu qu'il s'était passé des trucs ou quand les gens ils aiment pas. Voilà. Et moi, je suis venu 4 fois. À chaque fois, ça s'est super bien passé. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais... C'est sûrement dû au nom D'ici. Bah non, parce que j'avais fait d'autres scènes, je crois, et je sais plus qui y avait, mais... Enfin, je ne pense pas que tu peux enfumer le public de Dour juste parce que tu as un nom. Si ce que tu fais sur scène, c'est naze, tu vois. À une époque, tu avais arrêté le rap. Qu'est-ce qui t'a remotivé pour recommencer, en fait? Bon, en fait, pour comprendre ce qui m'a remotivé pour recommencer, faut comprendre pourquoi j'ai arrêté. C'est-à-dire que faut se remettre dans le contexte de l'époque où j'ai dit que j'arrêtais. C'était en 2008. Et le rap, l'environnement et l'ambiance et tout ça était vraiment pas comme celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on était dans l'avènement de 50 Cent. Et 50 Cent, c'est de son adage, c'est get rich or die trying. Meurs ou voilà. C'est-à-dire tous les moyens sont bons pour y arriver. Sauf que ce qui marche aux États-Unis, en France, a des répercussions un peu plus, parfois un peu plus, plus graves, je dirais. Et il y a des mecs qui se prennent au sérieux et qui pensent qu'effectivement, tu sais pas rapper, mais t'es réputé pour de la bagarre ou je sais pas quoi, eh ben, tu peux avoir une accréditation de rappeur. Là où pour moi, selon moi, le rap, c'est tu sais rapper et puis c'est tout. Et puis point barre. Après, si t'es un voyou et que tu rappes bien ton histoire de voyou, y a pas de problème. Ou si t'es pas un voyou et que tu rappes bien tes histoires de pas voyou, tu comprends ce que je veux dire. Et là, voilà. Et là, le problème, c'est que le côté artistique, il était plus du tout là. Et puis... moi, j'avais envie d'essayer autre chose, enfin, je sais pas, j'avais envie d'aller voir ailleurs et donc j'ai fait un disque aux sonorités un peu rock qui s'appelle Dans le ventre du crocodile, sous le nom de Peter Punk. Et le fait d'arrêter m'a fait prendre conscience qu'en fait, il y avait des gens qui m'appréciaient dans cette musique-là et je l'avais un peu oublié ou j'avais un peu perdu, c'est-à-dire que le fait d'avoir connu le succès assez jeune, j'avais une perception décalée de l'image qu'on avait de moi, bref. Et le fait d'arrêter, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et 3 ans après, j'ai eu envie de reprendre le Peura et je l'ai repris. Et j'explique tout ça dans un morceau qui est sur mon mini-album qui s'appelle Lucide. Un morceau qui s'appelle Un frigo, un cœur et des couilles, dans lequel j'explique pourquoi il y a eu cet arrêt et ce retour. Il y a des actualités pour le moment, des clés pour un prochain album en préparation? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que de la même manière que Kanye West avait mis en place le système des Good Friday, c'est-à-dire qu'avant son album, tous les vendredis, il sortait un morceau. Moi, j'ai repris ce qui s'appelle Good Friday, sauf que maintenant, ça s'appelle le vendredi, c'est 6D, en français, voilà. Et tous les vendredis, je poste un clip. Maintenant, c'est un clip. Et donc là, à partir de la rentrée, pour annoncer l'album Extra Lucide, qui sort le 29 octobre 2012, tous les vendredis, à partir de septembre, il y aura un clip. On t'avait vu dans un film qui s'appelle Dans tes rêves, produit par Denis Thibault. Est-ce qu'il y a d'autres projets cinématographiques en cours ou est-ce qu'on pourra te revoir sous le grand écran, quoi? Oui, sauf que je vais essayer maintenant de choisir un peu mieux et de... Bon, là, c'était une première expérience, c'était intéressant. Il y avait Béatrice Dalle au casting, tout ça, c'était cool. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est un film qui est mignon, mais qui correspond pas réellement à la réalité de ce qu'est le rap. Ou en tout cas, qui le fantasme un peu trop, pardon. Donc maintenant, si je dois revenir au cinéma, ce serait déjà, je pense, avec des projets que j'écrirais moi. Parce que je suis écrivain aussi par ailleurs et j'ai sorti 2 romans. Ou alors, faudrait vraiment que ce soit des projets assez réalistes. J'aime le réalisme dans l'art ou en général dans le cinéma ou dans la littérature, donc voilà. Chose vraie quoi. This is, est-ce que tu as un message en particulier à faire passer à la jeunesse? Waouh, j'ai toujours du mal à... En fait, les messages que je délivre, ils sont un peu dans mes textes. Mais je sais pas, si je devais résumer un petit peu, ce serait... Je sais pas, moi ce qui m'a aidé c'est que depuis que je suis enfant, je suis pas quelqu'un d'influençable. C'est-à-dire que quand les mecs ils partaient faire des conneries au quartier, c'était pas mon délire à moi.
eh ben si c'est pas mon délire, je le fais pas. Et tant pis si tu crois que je suis un bouffon ou je sais pas quoi, je fais ce qui me correspond. Voilà, et en musique c'est pareil. Je fais ce qui me correspond et voilà. Tu peux nous faire une petite dédicace pour Full TV? Ok, alors c'est This Is, on est à Dour et je fais une grosse dédicace à Full TV, c'est de la bête de bombe, This Is. Yeah, c'est AWAX et This Is la peste pour Full TV. Rah! Entre temps j'ai voyagé, j'ai mis mon flow au parking. Pendant ce temps t'as pas pompé, t'as fait du rhyme jacking. Négro lâche sous la grappe, mort nous. Vas-y marche, trouve un arbre et rap une heure.